L'enthousiasme n'est pas seulement un état d'âme, c'est une qualité. Agir avec ardeur vient témoigner de la passion qui nous habite. Il s'avère que dans le domaine de l'éducation, la satisfaction la plus grande d'un maître ou d'un père n'est pas seulement de voir ses élèves ou ses enfants intégrer les enseignements, mais surtout de les voir agir avec enthousiasme dans l'esprit des valeurs inculquées. Vivre son judaïsme signifie alors que notre pratique, que notre étude et que notre prière soient vivantes et vivifiantes. Notre paracha nous dit: vous observerez mes statuts et mes commandements, ceux que l'homme se doit d'appliquer pour qu'il vive par eux. Vachai bahem, pour qu'il vive par eux. Nos sages nous donnent une première interprétation, liée d'ailleurs à notre terrible actualité. Les mitzvot doivent permettre à l'homme de vivre. Ainsi, on devra avant tout veiller à protéger notre santé physique. Puis, les maîtres de la pensée juive proposent une autre lecture. L'homme doit observer les mitzvot, toutes les mitzvot, même celles qui dépassent la raison et que l'on qualifie ici de statut, de chukim. Alors, l'homme se doit de pratiquer, d'observer ses mitzvot avec le plus grand des enthousiasmes et avec vitalité. Nous ne pouvons pas nous limiter à agir comme des robots lorsque nous avons conscience d'avoir le privilège d'être les partenaires du roi.